En politique, il faut compter avec le rassemblement des Mains Blanches, une nouvelle formation politique qui vient d'être présentée à la presse ce week-end. Le parti est créé depuis août 2019 et prône l'union des Burkinabés. Il se réclame de la mouvance présidentielle. Sékou Zongo. Le rassemblement des Mains Blanches, en abrégé RMB, est le nouveau venu dans l'arène politique burkinabé. Après cette conférence de presse, le parti annonce officiellement sa sortie, une sortie qui se veut singulière dans cette salle de ciné, comme pour rendre hommage à un homme, le président Thomas Sankara. Et là, toute la particularité du RMB, selon les conférenciers. Notre parti se veut un creuset de veille de conscience de toutes les couches sociales, de toutes les catégories socio-professionnelles, afin que la politique soit considérée comme un sacerdoce, un comportement citoyen, et non comme l'apanage d'une minorité d'intellectuels. Aussitôt né, le Rassemblement des Mains Blanches n'attend pas être observateur de la vie politique burkinabé. Salam Sawadgo et ses camarades appellent ici à l'union de tous, afin de faire du Burkina une destination privilégiée. Vous chantez à chaque fois, ces partis politiques, que vous êtes des patriotes. Mais je demande à chaque Burkinabé de mettre un peu d'eau dans son vin. Si vous aimez ce Burkina Faso, laissez tomber vos intérêts égoïstes pour qu'ensemble, le combat commun que nous avions avec légitime président. Le Rassemblement des Blanches, RMB, est un parti qui se réclame du libéralisme objectif. Affilié à l'Alliance des partis de la majorité présidentielle, le RMB est implanté dans 15 provinces du Burkina et soutient la candidature de Rochmar Christian Kabore à la présidentielle de novembre prochain, selon le conférencier.